Hello, it's Amy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous montrer mes sacs de cours et mes sacs de tous les jours aussi. C'est parti. Donc, pour l'instant, en attendant que je fasse, que je trouve où ranger tous mes sacs, je les range dans un gros sac Yves Rocher, voilà. Le sac, je l'ai eu grâce à la carte de fidélité Yves Rocher d'ailleurs. Je vous conseille de la faire parce que franchement, il y a des petites promotions, il y a aussi des, comment ça s'appelle, des sacs par exemple, pas offerts mais genre on les achète moins, un peu moins cher. Il y a aussi des montres aussi, j'ai quelques montres qui viennent de là-bas. Et surtout leurs produits aussi pour la peau, ils sont grave bien en plus. D'ailleurs là je viens de faire le masque du visage. Un masque du visage, c'est la gamme bleue. C'est la gamme bleue, j'utilise que cette gamme parce que c'est celle qui marche avec ma peau tout simplement. Il y a plusieurs gammes, il y a une verte, bleue, voilà. Je suis pas sponsorisée par Yves Rocher. Mais bon, dans ce sac, il y a plein d'autres sacs. Donc on va commencer par des sacs de tous les jours. Donc là j'ai un sac, un petit sac comme ça, blanc. Non, il est beige, mais là vous allez voir, blanc, je l'ai acheté à H&M. Ça fait grave longtemps, donc je sais pas si vous pouvez le retrouver. Voilà, c'est un petit sac simple. Quand tu sors, y a de la place pour mettre tout le strict nécessaire, on va dire comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme sac? Ah, ça c'est mon nouveau sac préféré. Ça c'est mon nouveau sac préféré. C'est un sac de Primark. Donc là, il est un peu déformé. Mais... c'est mon sac Primark que j'ai acheté récemment. C'est sûr que c'est le dernier sac que j'ai acheté, si je ne me trompe pas. Franchement, il est grave bien, il est transparent. Voilà, il y a ça. J'en avais un autre aussi. Un autre aussi qui est de chez Primark aussi, qui est transparent. Celui-là, il est or, l'autre, il est argent. Et surtout, j'aimais bien le porte-monnaie. Voilà la couleur. Normalement, chez Primark, vu que ça fait pas longtemps que j'ai acheté, normalement, vous pouvez le retrouver. Cette fois-ci, c'est une banane qui vient aussi de chez Primark. Voilà. Comme ça, elle est plus petite. J'en avais une plus grande. C'était la première que j'avais achetée. Et celle-là, un petit Primark, elle est plus petite. Les téléphones, ils rentrent tout juste dedans. Voilà, ils rentrent tout juste dedans. C'est l'iPhone 8 Plus, donc ça rentre tout juste dedans. Et pour que vous fassiez un peu, vous fassiez un peu de la taille de ce sac. Voilà, il n'est pas trop grand. Et c'est une banane qui se règle. Tout simplement. Ça c'est une fausse poche par contre. Voilà, au début je croyais que c'était une vraie poche, mais je me suis rendu compte que non, en fait ça s'ouvre. Ça s'ouvre ici. Montrer mon sac de cours que j'ai acheté pour l'année dernière, du coup pour ma rentrée de seconde. C'est un sac à dos LS comme vous voyez. Franchement il a... avec moi les sacs, franchement j'avoue, ils font la guerre un peu. Mais voilà, c'est un sac LS blanc, simple. Il est hyper grand, genre... enfin, il est assez grand, quoi. Genre, tout rentre dedans. Il y a une petite poche à l'avant aussi. Ici. Voilà, ici, il y a le logo Inès. Vous pouvez voir. C'est un sac à dos. Moi, je préfère acheter des sacs à dos que des sacs à main. Parce que, je vais vous montrer quelques sacs à main aussi. Qui sont à ma mère, que j'utilise aussi. Et je suis pas trop sac à main. Les sacs à main, j'utilise que, par exemple, cette année, j'ai utilisé le vendredi parce que j'avais cours de 10h à 16h30, genre j'avais pas beaucoup de cours. Mais sinon, les sacs à main, franchement, c'est pas fait pour moi. Franchement, force à vous, celles qui les utilisent. Mais moi, je préfère les sacs à dos. Clairement. Voilà, LS. J'ai acheté à Intersport l'année dernière. Je sais pas si vous pouvez. Ici, ils en revendent cette année, je sais pas. Peut-être que vous allez avoir la chance d'en trouver. Maintenant, c'est une bandoulière aussi que j'ai utilisée l'année dernière. Voilà, parce que moi j'aime bien changer de sac. Les gens de ma classe le savent. J'aime beaucoup, beaucoup changer de sac. Et en plus, quand vous avez du choix, c'est mieux. Par exemple, ce sac, voilà, c'est une bandoulière caporal. Elle est quand même grande.
Ça aussi, j'utilisais bah, quand j'avais pas beaucoup de cours différents. C'est-à-dire que, bah, par exemple, vous comprendrez mieux dans ma vidéo de mes fournitures que je vais faire prochainement. Il y a certains classeurs qui avaient, où il y avait plusieurs matières dedans. Donc, c'est pour ça que. Quand j'avais, bah, par exemple, sciences, dans une journée, mercredi, j'avais sciences, bah, je ramenais que le classeur de sciences et ça rentrait dans ça. Voilà. Il y a une poche, une pochette ici pour mettre vos cartes, etc. Voilà, et aussi ça sera réglé. Donc je vais vous montrer les sacs à main que j'ai utilisés cette année. Donc le premier c'est celui-là. Attendez, je vous montre. Voilà, c'est un sac sauge. Je sais pas si ça dit. Je pense que ça se dit comme ça. Si je me trompe pas, voilà, il est beige aussi. Il est assez grand, genre un classeur ça dépasse un tout petit peu. À l'intérieur il est comme ça. Voilà, il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de poche à l'intérieur, mais attends, je vous montre tout de suite. À l'intérieur il y a une petite trousse comme ça, voilà. Elle est hyper grande la trousse, genre dedans je mettais mon porte-monnaie, mes cartes, même ma calculatrice, je mettais des affaires voilà, à l'intérieur. Et sinon, ça qui est quand même très très profond. Voilà, donc le deuxième c'est le même style, juste qu'il est noir. Voilà, noir avec des clous ici. Voilà, il a des clous. Et il s'ouvre, comme ça. Sauf que à la différence de l'autre, celui-là, il avait ça. On peut le tenir comme ça ou comme ça. Voilà, sur le côté. Je sais pas d'où viennent les sacs. Si je retrouve, je vous mets à côté. Celui-là aussi, il a une trousse, mais la trousse, je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, je peux vous la montrer. Voilà. Donc, je vous montre ce sac. C'est un sac Nike. Voilà, il n'est pas trop grand. Celui-là, il est petit. Parce que à la base, c'est pas un sac de course, c'est un sac de sport. Voilà. Celui-là, j'ai utilisé en cours. Pourquoi? Parce que il y avait une poche ici, une poche transparente. Où je mettais ma calculatrice, où je mettais des petites notes pour que je n'oublierais pas. Ou des petits trucs, voilà, des petits mots, des trucs comme ça. Et ici aussi, il y a une trousse, voilà. Enfin, une poche, comme ça. Et en plus, ici, c'est fluo. C'est grave, genre, c'est réfléchissant. À la lumière. Bon, non, on n'est pas dans le noir, mais ça va pas se voir, mais voilà, il est réfléchissant. Et voilà. J'ai réfléchi si j'ai rien oublié dans cette vidéo. Non, donc on arrive à la fin de cette petite vidéo, voilà, je vous ai montré quelques sacs, peut-être que ça va vous inspirer pour ceux qui veulent acheter un sac, franchement, pour la seconde, achetez un sac quand même grand parce que si vous mangez à la cantine, il faut tous vos sacs, donc je vous remontre le sac LS, voilà, c'est celui-là, franchement, il est grave bien, pour la seconde, franchement, il m'a bien servi. Il y a une poche ici, si ceux qui portent des PC par exemple. J'essayerai de vous trouver un lien et de vous le mettre en barre d'infos. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je dis en espagnol, portugais, ciao. Thank you.